Oui, bonjour à mes fans de YouTube. Ben écoutez, là j'ai posté, pour les gens qui m'ont demandé c'était quoi le flanc syrien, j'ai posté ma nouvelle vidéo. Nous sommes le 12 mai, je crois, 2015. D'accord? Et voilà, là je me suis fait une petite salade à Halim Makaï. D'accord? Ma petite préparation à moi. Et il me manque des tomates. J'étais aux courses, il me manquait des tomates. J'ai pas trouvé, donc j'ai improvisé avec cornichons et ouais, il me manquait même du vinaigre, donc j'ai rajouté à la place du vinaigre, j'ai rajouté du citron comme ceci avec une cuillère de moutarde et demi, et ça m'a fait bon du vinaigre. Regardez ma petite salade. Alors j'ai rajouté des cornichons de ceci là, et j'ai rajouté aussi du gruyère. Voilà, ça c'est ma petite salade tranquille pour manger là. Regardez l'heure. Bon, je ne vais pas manger de suite, hein. C'est encore bonne heure parce que nous, les Marseillais, on mange pas à bonne heure, hein, comme les Parisiens, hein. Mais tu es malade ou quoi? Regardez l'heure. C'est encore bonne heure. Donc, nous, qu'on mange, nous, les Marseillais, surtout quand on sort de la pétanque ou du foot, hein, on mange entre 8h30, même 10h du soir, même 11h30 du soir, ça dépend, hein. Voilà, hein, j'ai avec des petits tenders fait maison. Voilà. Quelqu'un qui a pas envie de cuire, surtout quelqu'un qui est seul et célibataire comme moi, donc quelqu'un qui a pas envie de cuisiner pour une marmaille, et la smala et compagnie, si vous êtes seul, comme moi, célibataire. Donc, vous cuisinez ça vite fait. Voilà, hein. Donc, on dirait que j'ai fait pour un régiment, mais bon. Vaut mieux avoir plus que moins, hein. Parce que moi j'ai vu là les Parisiens quand ils mangent, ils mettent un petit truc, un petit chouïa de manger dans l'assiette. Alors, nous à Marseille c'est un tas, mais bon, ça va, je suis pas gros quand même, hein. Regardez mes bras, je fais attention à mon alimentation. Voilà, il faut manger sain. Faut pas manger trop sucré, trop salé, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc voilà. Ben écoutez, je vous dis pour après, bon appétit. C'était avec Ali Makaï. Et voilà. Et pour les gens qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur ma ninette, allez-y les voir, ils sont disponibles. Et pour mon flan syrien, ah ben allez-y voir. Hein. Donc voilà. Et je le répète encore une fois. Je suis syrien parce qu'il y en a, ils m'ont dit sur YouTube que j'étais plus l'air d'un français que, ou alors un kabyle. Non, je suis ni fra... Bon, je suis né à Marseille. C'est normal que je suis français. Je suis né à Marseille. Mais mes origines sont les suivantes. Syrien de mon papa, oranaise et de ma maman, et un sang mêlé avec les Corses et les Siciliens. Voilà, donc voilà quoi. Et voilà, ben. Ou sinon, voilà. Après le dessert, voilà, un flan que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo que j'ai fait ce matin. Et voilà, vous avez vu, hein? On dirait le Top Chef de M6. Ah, avant que j'arrive à sa hauteur, j'aimerais bien. Hein. Mais bon, voilà quoi. Ben, je vous fais un bisou, je vous dis un bon appétit et à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Alim Makaï de Marseille. Alim Makaï de Marseille. Bisous à vous mes fans. Et bon appétit.